Un accord vient d'être trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les organisations étudiantines après les manifestations de protestation des étudiants qui demandaient la dissolution de la police universitaire. Nous avons eu à échanger, je veux préciser, de 16h à 21h. Les échanges ont été houleux et difficiles. Nous sommes pour le maintien de la police universitaire à des conditions. Que les auteurs soient sévèrement sanctionnés, comme le ministre a eu à le dire, que la refonte soit effective. Et nous avons proposé qu'au sein de cette police universitaire, au lieu que ce soit des personnes lambda, que des étudiants même soient recrutés dans cette police universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique condamne avec fermeté et vigueur les actes de violence commis, exprime sa compassion aux blessés et les assure de sa solidarité et de son soutien matériel et moral. Informe que les agents de la police universitaire, auteurs de violences constatées, qui ont été identifiés, seront sanctionnés disciplinairement avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Félicite les étudiants qui ont tous repris les cours.